Quand tu veux faire ton plan d'entraînement musculation, la première chose à identifier, c'est le nombre de répétitions à réaliser pour chaque exercice. Pourquoi c'est si important? Parce que du nombre de répétitions va découler les objectifs d'entraînement. Tu veux plus de force maximale, plus de masse musculaire, d'hypertrophie ou plus d'endurance musculaire? Pour chacun de ces objectifs, il y a une fourchette de répétitions optimale à trouver. C'est grâce à mon expérience accumulée depuis 25 ans au plus haut niveau mondial, lors de 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été, par exemple ce magnifique polo de l'équipe de France que je porte fièrement, je l'ai obtenu en défilant lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. J'avais une dizaine d'athlètes sélectionnés, deux d'entre eux ont obtenu une médaille olympique, Pierre Vautier la médaille d'or et Julia Pereira qui est devenue à cette occasion la plus jeune médaillée olympique de l'histoire de la France. Eh bien, c'est cette expérience que je te donne aujourd'hui. De 1 à 5 répétitions, tu rentres de plein pied dans le monde de la force maximale. Qu'est-ce que la force maximale? C'est ta capacité à déplacer une charge la plus lourde possible, mais du coup, en un temps très long. Bah oui, quand tu tends ton record en squat, par exemple, tu vas pas monter la barre en 0,3 secondes. Tu vas mettre plusieurs secondes pour lever la charge la plus lourde possible. C'est l'expression de ta force maximale que l'on retrouve aussi dans les études scientifiques sur le terme de 100% de 1 répétition maximale de 1 RM. Alors le sport que l'on a à l'esprit quand on pense à la force maximale, c'est le powerlifting, la force athlétique. Ils doivent soulever sur 3 exercices, squat, bench press, deadlift, la plus grande charge possible. Et on s'en fout qu'ils mettent plusieurs secondes pour le soulever. L'important, c'est de soulever la plus lourde charge possible. Eh bien, pour avoir les maximums de résultats en force maximale, la fourchette de répétition va de 1 à 5 répétitions. Mais attention, cette fourchette de répétition demande beaucoup d'expérience pour être réalisée en toute sécurité. En effet, il faut que tu aies une maîtrise technique parfaite de tous tes mouvements. Il faut aussi que tu travailles avec un équipement qui te permet une sécurité. Ce serait quand même con de finir écrasé sous une charge. Il y a des façons moins connes de mourir. Et dernier point, la force maximale est caractérisée par une augmentation des charges que tu peux soulever. Mais par contre, elle est faiblement caractérisée par une augmentation du volume musculaire, de la masse musculaire, de l'hypertrophie. Pourquoi? Parce que quand tu soulèves très lourd sur peu de répétitions, 1 à 5 répétitions, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la taille du muscle qui augmente, c'est ta capacité qu'a ton système nerveux à utiliser ce qu'il a à sa disposition. C'est les facteurs nerveux. Et les facteurs nerveux ne se manifestent pas par une augmentation de la taille du muscle. Ensuite, 6 à 12 répétitions, tu rentres dans le monde de l'hypertrophie, l'augmentation de la masse musculaire. C'est une énorme fourchette de répétitions que l'on peut sous-diviser en deux. La fourchette 6 à 8 répétitions et la fourchette 9 à 12 répétitions. 6 à 8 répétitions, c'est une fourchette de répétition qui fait deux choses. Elle est hybride, si je puis dire. Elle te permet d'augmenter ta masse musculaire, mais te permet aussi au moins de stabiliser ton niveau de force maximale si tu es un pratiquant avancé déjà en musculation. Et alors, si tu es un pratiquant débutant, eh bien 6 à 8 répétitions, tu vas faire deux choses. Tu vas augmenter ta force maximale et simultanément augmenter ta masse musculaire. Cette fourchette de 6 à 8 répétitions, elle est très utile dans le monde de la préparation physique. Par exemple, tu veux qu'un skieur augmente la force et à la fois la masse musculaire de ses cuisses. Eh bien, 6 à 8 répétitions, c'est une super fourchette de répétition parce qu'elle est hybride. Il y a à la fois les paramètres nerveux qui te permettent d'augmenter ta force si tu n'es pas déjà trop fort, ou au moins de te stabiliser ton niveau de force, et en parallèle, d'augmenter ton niveau de masse musculaire. On l'appelle hypertrophie myofibrillaire chez certains scientifiques. J'aime pas trop ce terme parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas assez d'études scientifiques solides pour justifier ce terme. Peu importe, j'ai envie de dire, de comment on l'appelle. Moi, je l'appelle hypertrophie fonctionnelle parce qu'elle mélange l'amélioration de la fonction musculaire, la force, et puis l'amélioration de la masse musculaire. On peut aussi l'appeler l'hypertrophie du sportif, dans le sens comme le skieur que je vous ai donné, une hypertrophie hybride finalement entre la force maximale 1 à 5 répétitions qu'on vient de voir et l'hypertrophie stricte, l'hypertrophie du culturiste que l'on va voir juste après entre 9 et 12 répétitions. C'est le bodybuilder qui représente le mieux la fourchette 9 à 12 répétitions parce qu'il y passe beaucoup de temps
Pourquoi? Eh parce que c'est tout simplement la fourchette de répétition qui donne les meilleurs résultats pour augmenter la masse musculaire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça fait des décennies que les culturistes utilisent cette fourchette de répétition et ils ont raison. Ceci étant, vous allez vous rendre compte de la chose suivante. Si vous êtes très longtemps dans cette fourchette de répétition, eh bien ça va faire décroître d'une manière indirecte votre force maximale. En fait, si vous avez déjà un niveau de force important, si vous restez trop longtemps entre 9 à 12 répétitions, eh bien votre niveau de force maximale, rappelez-vous, la force maximale, c'est 1 à 5 répétitions, votre niveau de force maximale va décroître. Par contre, si vous êtes très débutant en musculation, 9 à 12 répétitions va vous servir à tout, à augmenter votre masse musculaire et à augmenter votre force. Mais quand on est débutant, pas d'inquiétude, tout fonctionne. Par contre, dès qu'on commence à progresser en force, eh bien, 9 à 12 répétitions va impacter très positivement, très rapidement, la masse musculaire. Mais par contre, votre niveau de force va décroître. Alors, comment cela s'explique? C'est assez simple. Les paramètres nerveux que l'on a vu tout à l'heure pour la fourchette 1 à 5 répétitions sont très faiblement taxés dans l'hypertrophie du culturiste de 9 à 12 répétitions, qu'on appelle aussi l'hypertrophie sarcoplasmique. Rien à voir avec l'ancien président. J'aime pas trop ce terme, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est des termes pourtant très utilisés en science, mais à ma connaissance, faiblement étudiés par des recherches scientifiques très appliquées sur le terrain. Donc moi, je préfère dire l'hypertrophie du culturiste, l'hypertrophie traditionnelle, puisque en fait, les culturistes utilisent par tradition depuis très longtemps. On s'en fout un peu de comment on l'appelle, vu qu'on a compris à quoi ça correspondait. Ensuite, 13 répétitions et plus, et ben là, on rentre de plein pied dans la force-endurance, l'endurance de force, appelez-le comme vous voulez. C'est caractérisé par quoi, cette fourchette de 13 répétitions et plus? Et ben par une capacité à résister à la fatigue pour produire un niveau de force modéré sur un temps plus long. Alors, on retrouve ça dans quel type de sport? Ce qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, c'est l'aviron. C'est un sport où il faut résister à la fatigue sur une durée assez longue. L'endurance de force, la force endurance, est très présente. Elle se caractérise comment? Relativement peu de masse musculaire impactée, relativement peu de force maximale à gagner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utile quand on veut améliorer sa résistance à l'effort. Je conseille de pas aller beaucoup plus qu'une quinzaine de répétitions. Pourquoi? Parce que après, on allège tellement les poids sur la barre que le nombre de répétitions devient excessif et la charge devient trop minimale pour obtenir quand même des gains. Donc, il y a un compromis à trouver. J'aime pas bien dépasser une quinzaine de répétitions pour les raisons que je viens de vous donner. Mais attention, il y a toujours une part d'individualisation dans tout ce que je vous dis. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est le fruit de mon expérience, comme je vous l'ai dit à l'introduction. Et d'une manière générale, ça fonctionne pour environ 70% des gens. Donc c'est extrêmement pertinent pour un grand panel de personnes. Il y a des chances que ça vous aide énormément. Mais peut-être que vous êtes dans le tiers où ben, vous êtes doté, par exemple, d'une myotypologie, d'une proportion en fibres lentes, fibres rapides, exceptionnellement différente de la norme. Et là, du coup, ça peut, j'ai envie de dire, pas ne pas marcher, mais ça peut moins bien marcher. Donc tout ce que je vous dis fonctionne sur 70% des gens environ. Il y a toujours une part d'individualisation. En parallèle de cette notion d'individualisation, je dois aussi vous parler de la notion de continuum. En fait, j'ai donné des fourchettes de répétition et je ne veux pas que ça vous donne l'impression de 1 à 5, il y a de la force, il n'y a pas de masse musculaire. De 9 à 12, il n'y a que de la masse musculaire et il n'y a pas de force. En fait, c'est un continuum tout ça. Il y en a plutôt beaucoup ou plutôt peu. Mais en fait, c'est un continuum. C'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est l'effet de seuil. En fait, pour pouvoir obtenir des résultats dans chacune des fourchettes de répétition, il faut un certain seuil de travail à fournir. C'est souvent caractérisé par le nombre de séries. Il y a aussi la récupération à prendre en considération. Le choix de l'exercice est aussi crucial. Tout ça, on ne peut pas le développer aujourd'hui dans cette vidéo. On a parlé aujourd'hui que du nombre de répétitions. D'ailleurs, gardez à l'esprit que le nombre de répétitions seul n'est rien si on n'a pas un nombre de répétitions en réserve à garder à l'esprit. Par exemple, si vous faites plusieurs séries de 8 répétitions, par exemple 3 séries de 8 répétitions, on sait que 8 répétitions,
c'est dans la grande famille de l'hypertrophie. Si on a trois séries, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la chose suivante. À la première série, gardez environ 2 répétitions en réserve. Vous arrêtez à 8, vous pourriez dans l'absolu en faire 10. À la deuxième série de 8, vous arrêtez à 8, vous pourriez environ en faire 9. Et à la dernière série de 8 répétitions, là, par contre, vous allez avec 0 répétition en réserve, vous poussez votre série à 8 répétitions. Vous ne pourriez pas en faire une de plus. Voilà comment aussi le nombre de répétitions et l'intensité se répondent pour qu'on puisse obtenir des gains très importants. Vous dites peut-être, mais il n'a pas parlé de la puissance, la force explosive, la force vitesse, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Pas parce que ça, le développement de la puissance, c'est un monde à part. Souvent, quand on a cet objectif d'amélioration de la puissance, on est quand même rarement en train de faire son plan d'entraînement tout seul. On a quelqu'un qui nous aide, un professionnel diplômé d'État, et là, on est dans un autre monde. C'est pas qu'on pourrait pas en faire des vidéos, c'est que j'ai pas voulu non plus trop en dire pour noyer un petit peu ceux qui nous écoutent, les passionnés de musculation. J'ai voulu être plus direct sur ce qu'on retrouve le plus souvent en musculation, mais pourquoi pas en faire une vidéo dédiée. J'ai parlé des professionnels diplômés d'État. Maintenant, en France, avec le CQP, ça prend 3 mois, on a une carte professionnelle. C'est la plupart du temps remboursé par les grands organismes de formation. Il n'y a plus trop de raisons d'essayer de se mettre dans les zones grises de la loi et de passer des formations privées. En 3 mois, on peut être coach sportif. Alors, vous pouvez me dire, ouais, d'accord, c'est un scandale, gna 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 gna. C'est pas moi qui fais les lois. Et d'ailleurs, j'ai absolument aucun intérêt dans les CQP. N'en passez pas. Passez un BP, allez passer une licence STAPS en 3 ans. Ou un CQP en 3 mois, la carte professionnelle est la même à l'arrivée. J'ai juste voulu vous dire que maintenant, il y a des solutions pour être coach sportif diplômé d'État en 3 mois et souvent, c'est remboursé. Donc, renseignez-vous. Mais je vous le dis, je ne sais pas pourquoi j'en parle autant. Je n'ai pas d'intérêt spécifiquement là-dedans. Par contre, là où j'ai un intérêt, c'est vous parler aussi de comment l'alimentation peut aussi améliorer vos performances en musculation. Par exemple, ma dernière vidéo traite de l'importance du petit déjeuner. Bah oui, on nous bassine avec le petit déj. Le petit déj, c'est le repas le plus important de la journée. Mais est-ce que c'est vrai pour l'amélioration des performances en musculation? Allez cliquer sur la vidéo que vous voyez vers ma tête pour voir ce qu'on en dit de ce petit déjeuner.